Une attaque pour ma part que je qualifie de lâche, honteuse, et qui est, je pense, destinée à intimider les journalistes. Je salue l'intervention de la police. Les vigiles ont appelé la police et puis il y a eu une intervention. Mais au moment où on parle, on ne sait pas exactement de quelle parcelle venaient ces pierres. Et nous espérons que la police va poursuivre ses enquêtes pour identifier les auteurs, que ceux-ci soient punis conformément à la loi. Je profite de l'occasion pour encourager les journalistes du groupe de Presse Iwacu pour leur dire qu'ils doivent rester sereins et debout, et que ces actes ne vont pas entamer notre détermination à continuer notre travail d'informer le Burundi et les Burundais et le monde.